leur monde. Oh,
l'Église catholique. L'évêque émérite de diocèse de Fougon, Laurent Cramagno, est né le 5 novembre 1940. Et il a regagné le Père Céleste Dieu le 25 août 2020. Nous sommes à la messe des requiems sur la place des ordinations de la cathédrale Saint-André de Yopougon. Il sera suivi tout à l'heure de l'inhumation dans le crypte de la nouvelle cathédrale. Requiem a été présidé par le cardinal Jean-Pierre Coutois. Allez dans la paix du Christ.
sont maintenant au départ pour l'animation de l'évêque Eric Laura Cramoni. Le dernier voyage auprès du Père Dieu Tout-Puissant, au Créateur. La nouvelle cathédrale du diocèse de Yopougon. Thank you.
reste. Ça passe. Rappelons-nous les paroles de Jésus à la sœur de son ami Lazare, qui venait de mourir. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, avant de ressusciter, tu as reposé 3 jours en terre. Et depuis ces jours-là, la tombe des hommes est devenue pour les croyants signe d'espérance en la résurrection. Au moment d'ensevelir notre frère, nous te prions, toi qui es la résurrection et la vie, donne à Laurent de reposer en paix dans ce tombeau, jusqu'au jour où tu le réveilleras, pour qu'il voie de ses yeux, dans la clarté de ta face, la lumière sans déclin, pour les siècles des siècles. Amen. Le porteur en fer.